Yes, salut tout le monde, salut le chat, salut les anciens, salut les nouveaux. Merci à tous d'être là encore ce soir pour ce 60e et dernier live de la saison. Live bassistique, cours, pseudo-cours, conseils, tutos pour bassistes débutants la plupart du temps. Évidemment, vous l'avez compris, ça depuis le début, je pense maintenant, après 60 lives. Voilà, soirée consacrée plutôt aux bassistes débutants, mais pas que, quelquefois, boum, on pimpe un petit peu le niveau, et pour, histoire que tout le monde en ait pour son grade, voilà, dans la mesure du possible. Salut le chat, je peux pas tous vous nommer, parce que vous êtes déjà partis en sucette, j'ai vu ça, en arrivant. J'espère que tout va bien pour vous, que cette semaine s'est bien passée. De mon côté, elle a été assez intense, le mois de juin est assez foufou. Pardon encore à tous les élèves qui ont vu leur cours être reporté cette semaine. J'en suis désolé, mais vraiment là, j'étais au bout de ma vie. Et donc, on va conclure tout de même cette saison par un live question-réponse ce soir. Et on rattrape les cours la semaine prochaine, évidemment. Et on ne tardera pas à finir également cette année bassistique. À peu près jusqu'à mi-juillet, je pense. Et voilà. Merci également, comme d'habitude, aux tipeurs qui ont tipé cette semaine pour aider cette chaîne à se développer. Et je pense qu'il y a des petits projets qui s'annoncent pour la rentrée au niveau de cette chaîne, justement. Changement de rythme, changement de planning, nouvelles résolutions, nouveaux objectifs. Ça va être sympa, j'espère. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler, de vous envoyer 2-3 messages cet été pour vous informer de tout ça. Ok, comment ça va le chat? Oula, il y a des nouveaux. Monsieur Tanguy est là, et je le connais ce Monsieur Tanguy, bienvenue à toi. Michel, superbe générique, merci Michel. Ouais, c'est une vieille composition, ça, très très vieille composition d'ailleurs. C'est parti du thème de piano qu'un ami a joué quand on avait peut-être 18 ans, 19 ans. Et puis j'ai retrouvé sur une vieille cassette ce qu'on avait fait à l'époque avec ce thème de piano. Et puis j'ai refait un arrangement il y a quelques temps déjà, quelques années maintenant. Et puis voilà, j'ai retrouvé ça dans mes archives tout à l'heure et je vous l'ai proposé comme générique. Et voilà, j'ai rajouté le thème de basse. Et voilà, ça n'a même pas de nom, ce titre-là. Mais merci en tout cas si ça vous a plu, ce petit générique. Eh bien écoutez, questions-réponses ce soir, donc on y va. Alors j'ai vu passer les premières questions de Jester, je vais essayer d'y répondre. J'essaie de ne pas trop me mettre à la bourre, alors je vais venir quand même en bas du chat et essayer d'être à peu près avec vous en même temps que vous, quoi. Serges, bonsoir, y a-t-il un moyen de gagner une charentaise métronomique dédicacée? Ça commence très fort, ces questions-réponses. Ah, et ben ça fait partie des projets, hein. La rentrée 2020-2021, s'il n'y a pas de Covid, s'il n'y a rien, une charentaise customisée, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, on envoie des t-shirts customisés, les slips bientôt, le slap en slip, c'est aussi un concept que je n'ai pas hésité à inventer dès mon plus jeune âge. Tout est possible, Sir Jess, une charentaise métronomique. Si un fabricant de charentaises regarde ce chat, qu'il n'hésite pas à me contacter, j'ai des idées. Voilà. Salut tout le monde, Pascal, Frédéric, Malil, Loisio, Wilfried. J'avais dit que, mais non, en fait, vous êtes trop nombreux. Est-ce qu'il y a des petites questions qui concerneraient peut-être la théorie, la technique, le groove? Ah, ça y est. Le chat a disparu, non, il revient. Explique ce qu'est une cassette pour les plus jeunes, Émeric. Oui, c'est vrai. Je me suis un peu trop lâché, là. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui a disparu. Mais en tout cas, pour les gens de mon âge, le coup de faire des répétitions en groupe et de systématiquement faire un double push sur le radio cassette pour enregistrer la répé, eh ben, ça permet d'avoir des super souvenirs. Donc moi, j'ai des enregistrements, là, hein. De quand j'avais 17 ans, 18 ans, 20 ans, sur cassette. Et on rigole bien. Donc voilà, les bandes magnétiques sont toujours là, mais j'ai presque plus rien pour les lire. Mais voilà, ça fait du super souvenir, quoi.
Bon alors, est-ce qu'il y a des petites questions? Théorie, technique, groove, n'hésitez pas, c'est le dernier live de la saison. S'il y a des trucs qui vous viennent, alors Jester avait demandé en gros, dans ses premières questions, si j'apprenais tous les morceaux de par cœur, de mémoire, ou si j'écrivais des grilles. Voilà, ça peut être une question technique, on va dire, hein. Donc, oui, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui jouent en groupe ou qui vont jouer en groupe, le fait d'avoir tout un répertoire à apprendre, ça peut être un peu la panique. Et du coup, comment on fait? Alors, soit vous êtes un super lecteur, clé de fa, solfège rythmique, la totale, vous écrivez vos lignes de basse et vous les lisez sur scène en lecture à vue, et là, le problème est réglé. Soit, comme la plupart d'entre vous et nous... vous n'êtes pas un super lecteur ou alors vous n'avez pas envie de lire sur scène. Moi, j'ai les deux. Je ne suis pas un bon lecteur et je n'ai pas envie de lire sur scène. Donc, ouais, Didier, le type a survécu. Ouais, à cette semaine de fou. Ouais, on rentre dans la 70e heure, là, je pense, avec ce live. Donc, ouais. Si vous n'êtes pas un bon lecteur ou si vous n'avez pas envie de lire sur scène, mais que votre mémoire n'est pas infaillible, il faut écrire ce qu'on appelle des grilles, effectivement. Et moi, c'est ce que je fais. J'écris des grilles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, j'écris la structure du morceau, c'est-à-dire les accords qui composent le morceau, le nombre de mesures, par couplet, par refrain, le pont, etc. Je me fais le genre de partition que j'ai pu vous montrer en live, mais sans la ligne de basse écrite en clé de fa. Il n'y a rien dans mes mesures, quasiment rien. Il y a juste la structure à poil, quoi, les mesures à poil avec les accords au-dessus. Et moi, je marche comme ça maintenant, enfin depuis toujours. Quand je regarde une grille, quand je dois jouer 5 heures avec un orchestre ou 2 heures avec un groupe et qu'on doit jouer, on doit enchaîner les morceaux, si j'ai un classeur, un pupitre, un prompteur, n'importe quoi devant moi, boum, il y a le titre qui apparaît avec la grille et ça me renvoie dans ma mémoire à la ligne de basse qui correspond. Et c'est comme ça que je m'en sors, quoi. Donc je ressors la ligne de basse que je connais par cœur. S'il y a des morceaux dont je ne connais pas la ligne de basse par cœur parce que c'est un accompagnement lambda, par exemple un blues. Si ça peut arriver que je lise des grilles de blues parce qu'il y a des blues un peu trafiqués avec certains accords et tout, on se souvient pas toujours de tout. Donc si je peux lire la grille de blues et je me dis tiens ok c'est parti. Et hop, je me rappelle de la ligne de basse. Si je ne m'en rappelle pas, ou si elle ne mérite pas d'être mémorisée, c'est-à-dire qu'on peut improviser son accompagnement, au moins la suite d'accords me permet d'improviser en temps réel. Donc, sol 7. Do. Sol. Je vois le ré apparaître. Je vois le do. Et là, je génère un accompagnement. Ou alors, je rejoue de mémoire la ligne de basse que j'ai déjà préparée. Donc oui, en tout cas, se faire des grilles, c'est super important. Et il ne faut pas hésiter à apprendre à le faire. Hein. On en a déjà parlé dans des lives. On pourra en reparler à la rentrée. Hein. Pour ceux que ça intéresse, quoi. Alors, je remonte un petit peu dans le chat, parce que si je fais des réponses hyper longues, on va avoir 3 questions. Y a-t-il un moyen de gagner Charentaise? Donc ça, voilà, j'ai répondu. Je reviens un petit peu. Oui, alors, je vois qu'il y a de la demande, Alain, là, pour les Charentaises. Je vais réfléchir. Il faut vraiment que je fasse du business avec ce truc, hein, au bout d'un moment. Payez-moi un yacht avec la Charentaise, s'il vous plaît. J'ai un problème récurrent avec mon 5e doigt, dit Fred. Alors, 1, 2, 3... Alors, oui, on en a 5. Mais alors, pour jouer de la basse. J'ai un problème récurrent avec mon 5e doigt qui fait vibrer souvent la note. J'ai l'impression que c'est au moment que je lève le doigt. Une technique à surveiller ou doigt pas assez fort. Alors, peut-être que tu parles de ton petit doigt. Et en fait, petit rappel, hein, 5 doigts, non, on a 4 doigts pour... la main gauche, en tout cas, hein. On compte jamais le pouce. Voilà, 1, 2, 3, 4 pour les polyglottes.
Et voilà. Donc peut-être que tu parles de ton petit doigt qui fait du style. Ok. Donc, la première petite recette qu'on a déjà donnée, je la rappelle. Vous choisissez l'un de vos quatre doigts ici, l'index, le petit doigt, allez, le petit doigt, et vous jouez une note morte. Vous mettez le doigt juste sur la corde sans poser sur la note. Alors là, ça fait une harmonique, voilà, ici par exemple. Vous faites ça et vous appuyez lentement jusqu'à obtenir un son crado. Voilà, c'est ça qui est pas beau, hein. Et une fois que vous avez ce son crado, vous continuez d'appuyer très progressivement votre petit doigt. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Et ben là, c'est la pression qu'il me faut pour avoir une note propre. Et en faisant ça, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous mettez vachement trop de pression dans votre main gauche quand vous appuyez sur les notes. Quelquefois, on s'aperçoit que finalement, vous n'avez pas besoin d'autant de force que ça. Donc ça, c'est le premier point pour faire une note qui sonne sans, comment on dit, sans friser. Ensuite, si la question, c'est plutôt de dire « Ouais, mais c'est quand j'enlève mon doigt, par exemple, je joue une note et puis après, je vais en jouer une autre. » J'enlève mon doigt et ça fait ça derrière. Il y a toujours... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et alors là, effectivement, c'est pourri. Alors, pour éviter ça, et la différence, eh ben, vous avez vu, ce sont mes doigts, ici, clac, qui viennent contrôler la corde une fois que j'ai levé mon petit doigt, ici. Eh ben, j'ai aucun bruit parce que mes doigts derrière contrôle la corde et même les cordes. Donc du coup, ici, index, dégueulasse. Impeccable. Dégueulasse, impeccable. Encore une fois, les doigts devant viennent empêcher la corde de résonner. Donc en fait, on est toujours en contrôle avec les cordes, avec les doigts de la main gauche. Voilà un petit peu comment on peut éviter ces bruits intempestifs. Hein. Donc finalement, il ne suffit pas, Fred, de faire gaffe aux notes qu'on joue, mais de faire gaffe à comment on les joue et comment on contrôle ces fucking strings. Tu vois. Mais ça, voilà. Essayez de regarder un petit peu les lives consacrés à la main gauche, on en a parlé. Et on en reparlera également à la rentrée, puisque en musique, on ne fait que répéter les choses. As-tu une basse de la marque Sandberg ? Non, je n'en ai pas. Ça viendra peut-être, parce que j'aime beaucoup cette marque depuis quelques années. Là. Mais non, j'en ai pas, mais c'est très très bien. C'est, j'aime beaucoup. Y a-t-il une position idéale conventionnelle pour tenir le médiator ? Waouh ! Alors, je ne sais pas si j'ai un médiator. Ici, si. Tac, médiator. Ben, en fait, pour le tenir... Généralement, on le pose comme ça sur l'index, on met l'index comme ça. Ah, attends, bouge pas, j'ai une connerie sur mon écran. Voilà. L'index comme ça, on le pose sur l'index de manière perpendiculaire sur la dernière phalange. Je sais pas si on voit bien. Et hop, on le tient avec le pouce, comme ça. Je sais pas, tac. Putain, on dirait une... On dirait un modèle de chez Cochenou qui ferait une démo pour du saucisson, les gars. J'en suis là. Ouais, on le tient comme ça et on essaye de gratter. Comme ça, soit avec des coups vers le bas, soit en aller-retour. Donc voilà, entre la première phalange de l'index
perpendiculaire. Et boum, on coince avec le pouce et on laisse passer. Enfin, moi perso, je laisse passer. C'est un pote gratteux qui m'a filé le plan. Je laisse passer vraiment que la pointe. Hein. Comme ça. Voilà. Tac. Que la pointe. Comme ça, j'ai un peu une sensation avec le pouce et tout. Je sais à peu près où je suis là. Mais voilà, moi je dirais ça. Je suis pas un spécialiste, hein, mais voilà, c'est ce qui me vient quand j'ai un médiator sous la main. À la contrebasse, on m'a appris à appuyer avec tous les doigts. Et à la basse, demande Yannick. Bah ça, c'est le gros classique. Hein. À la basse, il faut travailler la technique pour tous les doigts, pour tout muscler, tout détendre aussi. Mais par contre, quand c'est l'heure de groover, comme les contrebassistes, souvent on va utiliser cette formule-là, index petit doigt et éventuellement le majeur pour des phrases un petit peu plus complexes. Et si vraiment on doit jouer des riffs mélodiques, et ben là, tous les doigts. Mais généralement, c'est la pince qu'on utilise, quoi. Et les contrebassistes, ils utilisent énormément cette formule-là. Hein. L'annulaire, très peu. Sauf, évidemment, pour les riffs mélodiques. Oh, à quoi faut-il s'astreindre ces deux prochains mois pour améliorer notre rigueur rythmique ? Michel veut un plan. Un planning pour l'été. Comme d'habitude, théorie, technique, groove et mettre en place des routines. Alors je sais qu'avec l'été, les barbecues, la bière, l'apéritif, la plage, nos compagnons pour les filles, évidemment, hein, la parité, tout ça. C'est pas facile de prendre la basse, quoi. Vaut mieux être célibataire, déprimé, dans son coin, s'enfermer dans le noir avec sa basse, c'est plus facile. Mais quand on n'a pas tous cette chance, eh ben, il faut arriver quand même à se dire, allez, sur une semaine de vacances ou quoi, je vais essayer de la prendre deux fois, trois fois, ça serait le top, quoi. Si vous continuez de bosser, eh ben, après c'est toujours pareil, hein, avec la chaleur, machin, les jours qui rallongent, on n'a plus envie de rien foutre quand le soir arrive. Et voilà, donc on est tiré un petit peu vers le bas hein, l'été pour pratiquer la musique, franchement, je crois. Hein, sauf ceux qui ont des concerts, évidemment. Mais voilà, théorie, technique et groove. Et ben là, le petit conseil que je pourrais donner, c'est peut-être de regarder un petit peu, enfin pour ce qui me concerne, tout ce qui s'est passé dans les lives ces deux dernières années, les différents sujets, de ne pas se retaper tous les replays, évidemment, mais de regarder les sujets, de voir ce que vous avez téléchargé ou pas, sur Bassistic Live là, avec tous les contenus, et puis vous piquez un sujet qui vous intéresse et bim, vous essayez d'aller au bout du truc. Donc le programme, ça serait plutôt ça, de pas être trop rigoureux sur une mise en place de plans ABC, mais de faire des trucs qui vous font plaisir avec le cadre minimal qui serait par exemple donc ces sujets de replay, et vous piquez comme ça et vous avez le sentiment de travailler votre instrument si vous avez un support partition MP3 avec un sujet précis comme ce qui s'est passé dans les lives, quoi. Ça serait une piste éventuellement, quoi. Mais bon, c'est un peu la détente, hein, juillet, août et tout, on rattaque fort en septembre, on se refait des bonnes résolutions et tout ça. Mais l'été, voilà, essayez de piquer un petit peu la basse et de prendre un sujet comme ça qui vous interpelle, quoi. Découvrir le slap, les notes mortes, vous mettre enfin au solfège rythmique, des choses comme ça à travers les replays, les lives, ça peut être cool, quoi. Serge, salut à tous, salut Seb, désolé pour le retard, j'ai honte, c'est la dernière. Salut Serge. Non, il n'y a pas de problème, puis nous, normalement, on se voit la semaine prochaine. Donc, bienvenue à toi. Bonsoir, une petite question, Fugicator. Pourquoi la plupart des basses ont 20 frettes ? J'ai choisi la mienne car elle en avait 24. Mais je commence à penser que c'est très rare de jouer si loin. Alors, en fait, bah là, cette Warwick, elle a 24 frettes. Alors, pourquoi la plupart en ont 20, 21 ? Je pense que c'est parce que c'est Léo Fender, quand il a inventé la jazz bass, la précision basse, il a mis 20 frettes.
21 frettes éventuellement. Et puis voilà, et donc c'est devenu le standard rapidement. C'est ce qu'on a tous en visuel, quand on regarde une jazz basse, une précision, c'est ce qu'on a tous dans les oreilles, ces enregistrements précision et jazz sur des milliers de disques. Donc c'est devenu un standard, Fender, et après, ouais, il y a des 24 frettes qui sont arrivées. Pourquoi? Sans doute parce que les bassistes ont voulu commencer justement à faire les oiseaux, quoi. Hein, mais c'est vrai qu'on va rarement dans cette région-là. Alors, ceci dit, si vous prenez l'intro d'Aeroplane des Red Hot Chili Peppers, vous avez besoin d'une basse 24 cases, c'est pas jouable sur une jazz basse. Donc voilà, quelquefois, il y a vraiment une utilité. Quand vous voyez les bassistes jouer des accords ou des mélodies, hein, là-dedans, ouais. Quelquefois, c'est justifié par l'aspect artistique du truc. Il y a un luthier aussi qui m'a dit il y a des années que le slap sonne mieux sur une 20 frettes que sur une 24. Le son est plus plein, plus rond, etc. Petit patapon. Donc, je le crois. Je le crois. Effectivement, le son est peut-être plus fin sur une 24. Et c'est vrai, j'ai pu le constater. Il est plus fin, mais il est peut-être aussi plus précis. Et après, c'est une question de goût, quoi. Mais voilà, entre 20 et 24 frettes, pour le slap, 20 frettes, 21 frettes, c'est mieux. Paraît-il. Et voilà, je serais assez d'accord avec ça. Franck, il dit « Je me mets au filet rond, etc. Comment tu évites le zwing ?» Alors, j'ai répondu juste avant, hein, je crois. Hein, le zwing. Voilà, hein, il faut surveiller la pression de sa main et puis contrôler les cordes avec les autres doigts. Hein, et filet rond, filet plat, voilà, on doit obtenir la même qualité de son, normalement, quoi. Fugicateur, je me suis posé la même question, me dit Loïc. Ouais, c'est ça, hein, c'est question artistique et question de dynamique du son, voilà, comme je vous disais pour le coup du nombre de frettes. Waouh, je suis en train de perdre le fil, ouais. Je reviens, excusez-moi. Question de... Alors non, c'est toujours pas. Waouh, mais vous êtes lâché dans le chat, là. Je suis obligé de remonter aux origines. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est chaud. Clément qui demande si j'ai un planning type pour bosser. Hein, comme je disais, hein, théorie, technique et groove. Essayez de vous inspirer de tous les replays. Donc, hein, il y en a 60. Il y a eu presque 60 sujets différents. Hein. Donc, essayez de vous inspirer avec ça, peut-être, quoi. Fugicator, moi aussi j'ai des soucis avec l'auriculaire, le cinquième doigt manque de force. Le quatrième doigt, l'auriculaire, c'est le quatrième doigt. On ne compte pas le pouce. Je suis fatigué, moi. As-tu des exos pour essayer d'appréhender la technique main droite de Dominique Di Piazza? Alors voilà, ça y est. Voilà, live pour débutants, on se lâche. La technique main droite de Dominique Di Piazza. Alors, ce que tu peux faire si tu t'intéresses à ça, c'est commencer, si tu ne l'as pas déjà fait, par aller voir le site de Pocket Picker. Dominique a fait une vidéo pour utiliser le Pocket Picker. Donc là, tu vois à peu près la chose, comment ça se passe. Mais bon, le gazier, il va toujours hyper vite, quoi qu'il arrive. Donc, ça reste encore très, très foufou, sa technique à Di Piazza. Mais on peut constater que finalement, il se met à utiliser le pouce, l'index, le majeur et même l'annulaire. Hein. Et donc, je pense qu'il faut aller voir aussi du côté de la guitare classique, si on veut comprendre la main droite de Di Piazza, quoi. Après, quand il groove, il est... alors lui, il joue beaucoup... pouce et majeur, en fait. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère pouce, index. Et là, j'ai des potes guitaristes qui font ça quand ils jouent de la basse. Comme ils sont habitués à jouer au Mediator,
Il simule un médiator en fait, et il joue pouce index. Donc pouce vers le bas et index vers le haut. Et j'aime beaucoup. Donc si on met une petite batte. Ça génère des rythmiques un petit peu comme quand ils font leur cocotte funk. Ouais, un truc comme ça. Et ça, bah ça fait groover différemment, carrément. Ça fait, ça donne un autre feeling pour jouer de la basse. Et voilà, Di Piazza fait ça, mais sauf qu'il le fait 100 fois plus vite. et voilà. Donc, essaye de, pour commencer, de remplacer ton alternance index majeur par une alternance pouce index. Ouais, ça peut être un bon point de départ, quoi, je trouve. Bon courage, nice. Est-ce que ça va tout le monde? Ouais, peux-tu nous préparer de nouvelles routines pour cet été comme l'année dernière, me demande Laurent. Je peux tenter ça. Effectivement, j'ai pas du tout eu le temps cette année, mais je vais avoir un petit peu de temps la première quinzaine de juillet. Enfin, pas la semaine prochaine, il faut que je continue de donner les cours. La deuxième semaine de juillet, je vais commencer à respirer. Donc, pourquoi pas, Mister Laurent, quelques petites routines pour l'été. Mais c'est vrai que là, j'ai pas du tout pu anticiper la chose. Mais j'essaierai de vous tenir au courant cet été. Hein. Je vais en profiter, le fait que les lives s'arrêtent et les cours, pour faire quelques petites vidéos sur la chaîne. Et il y aura peut-être une vidéo des routines pour l'été. C'est carrément une bonne idée, quoi. Je retiens la chose. Je trouve que sur ma Squire Jazz Bass, les cordes sont un peu éloignées des frettes. Alors, Malil, il faut que tu attrapes un luthier, que tu mettes un petit billet pour qu'il te fasse un réglage complet. Et ça rime. Qu'est-ce qu'on a comme question? As-tu une idée de l'espace à avoir? C'est comme dans un cercueil, il ne faut pas le prendre trop large parce que c'est toujours bien d'avoir de l'espace aux genoux quand on voyage, comme disait l'autre. Et ben, sur une basse, c'est pas. Je ne sais pas qui a compris cette vanne. Désolé. mais moi, je dirais, tiens, sur une Warwick, non, je ne peux pas vraiment te dire. Si tu as, je ne sais pas, 3 mm entre la dernière frette et les cordes, pour moi, c'est pas mal. Si tu arrives à 2 mm, c'est cool. Après, tout dépend de ton type de jeu et de ce que tu as envie de jouer, quoi. Mais si c'est funky avec du snap et tout ça, faut que ça soit réglé le plus près possible. Si c'est du rock, tu peux remonter un petit peu. Donc voilà, tout dépend de tes goûts, mais c'est bien d'investir chez un luthier de temps en temps pour un réglage complet, quoi. Imric a bossé le flying Pinky en bossant Monet des Floyd. Impeccable. Bravo, mec. Christophe, et que penses-tu des fret warp pour éliminer les bruits parasites? Alors, j'en ai un fret warp. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une espèce de bande de mousse qu'on fixe sur la basse pour étouffer les cordes. Et ça, c'est quand on fait des trucs, soit du slap évolué, soit du tapping. Parce qu'on a très souvent des bruits parasites au bout d'un moment. Parce que comme on a les deux mains sur le manche, on peut pas justement contrôler tout le temps toutes les résonances. Donc le fret warp, pour ça, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vraiment pour jouer des trucs compliqués, machin et tout. Mais voilà, j'en ai un, j'utilise de temps en temps quand je fais ce genre de bêtises.
Donc ouais, c'est un peu cher pour ce que c'est, hein. Je t'avouerai que tu mets un chouchou, deux chouchous à cheveux comme Victor Wooten là, a pu le faire, et ça te coûte moins cher, quoi. Mais j'en ai acheté un. Je me suis fait avoir par le marketing, une fois de plus. Serge, quand la basse est accordée un demi-ton plus bas, ouais, si je joue le La en cinquième case, corde de Mi, quelle est la véritable note que je joisse? Eh bien, ce sera un La bémol, tout simplement, je crois, hein, si tu accordes ta corde en Mi bémol. Mi bémol, on va dire que c'est un Mi bémol. Ok. Mi bémol. Donc tu auras un Mi, Fa, Sol, Sol dièse ou La bémol, cinquième case. J'ai bon, j'ai pas dit de conneries. Donc voilà, tu auras un La bémol. Eric, oh salut monsieur Lémy, quelle dextérité, dit-il. Merci, merci, c'est beaucoup de travail, hein, c'est un métier. Hein. Eric, as-tu eu déjà des problèmes de ressaut de doigts sur ta main gauche? Alors, c'est un nouveau mot ressaut ou c'est moi qui manque un truc dans la langue française? Souvent dû à des tendinites. Ah, ça y est, boum. Ok, je vois ce que tu veux dire. Car c'est ton cas en ce moment et là, je ne peux plus jouer. Ouais, ça m'est arrivé d'avoir une espèce de choc électrique là, qui te fait clac, t'es sur ta basse et puis aïe, ça, comme un petit choc électrique quoi, ou un truc qui te pique d'un seul coup là. Ouais, ça m'est arrivé, mais par contre, j'ai jamais eu de tendinite. Je sais pas comment c'est. Enfin, si, je sais comment c'est possible, mais moi, a priori, je ne suis pas sujet aux tendinites. Mais ouais, j'ai déjà eu, par manque d'échauffement ou quoi, quelquefois, voilà, t'es mal réveillé, machin, tu prends la basse et bing, tu te fais mal, tu sais même pas pourquoi. Là, voilà, ça arrive, effectivement, un tendon, un nerf qui n'est pas à sa place, etc. Et ouais, ça peut arriver des chocs comme ça. Mais alors maintenant, si tu sens que tu es en tendinite et tout, hein. Là, il n'y a pas 36 solutions, c'est du repos, quoi. Tu peux plus jouer. Il faut plus jouer de basse. Tant que vous avez une tendinite, tant que vous avez un problème comme ça, bah, il faut laisser reposer et aller voir votre médecin. Hein. C'est lui qui va vous conseiller et tout. Hein. Mais généralement, il va vous conseiller d'arrêter, quoi. Et ça peut durer plusieurs semaines, malheureusement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer par-dessus la douleur. Ok? Je prends toujours en exemple le film Whiplash. Whiplash! Mais moi je dis Whiplash, puis c'est comme ça. Ou l'histoire du batteur là, qui joue jusqu'au sang et jusqu'aux larmes. Voilà, Hollywood. C'est une connerie, hein. Il ne faut pas aller par-dessus la douleur, il faut arriver à la douleur, et quand vous arrivez à la douleur, vous arrêtez. Je sais pas, les mecs en body building et tout ça, ils disent qu'il faut se déchirer les pecs, qu'il faut aller au-delà de la douleur, tout péter. Bien sûr, ouais. Bah pas en musique. C'est peut-être là que ça s'arrête au niveau de la pratique musicale, l'analogie avec le sport, quoi. Vous allez jusqu'à ce que ça fasse mal et après vous arrêtez, vous secouez, vous massez, vous vous occupez de vos mains en fait, quoi. Vous leur faites comprendre que tout n'est pas que souffrance dans la basse, quoi. Et donc voilà, vous frottez, vous massez, vous prenez le temps. Et ne pas jouer, c'est aussi important que de jouer. Pareil, si vous avez une pratique intensive, régulière et intensive pendant l'année, l'été arrive, faites un break. N'emmenez pas votre basse en vacances, par exemple. Si vous avez une pratique régulière, hein, j'entends bien, hein, régulière, vous jouez beaucoup, etc. N'emmenez pas, parce que déjà, vous allez casser les roubignoles de votre entourage avec votre basse dans la bagnole, et au camping ou alors dans la seconde résidence, ça va faire chier. Pas sûr que vous ayez le temps de la prendre et tout ça, mais en plus, faites un break parce que comme ça, votre mémoire, elle se régénère, votre mémoire musculaire et tout ça. Il faut lâcher prise pour mieux revenir derrière. Hein. Tous les sportifs le disent, tous les icos le disent. Alors faites-le, bordel. Profitez de l'été pour ça. Pour ceux qui ont une pratique régulière, pour ceux qui foutent rien dans l'année, vous pouvez continuer, mais de manière régulière. Qu'est-ce qu'on a encore dans le chat? Bah, c'est cool toutes ces questions-là, en tout cas. Les harmoniques sur toutes les notes, comment fais-tu? Alors ça veut dire, Loïc, les harmoniques artificielles, à ce moment-là. Tiens. Petit reverb ou pas? Merci.
Bah, en fait, ça se passe pour moi. Je mets le pouce devant la corde. Ah, je sais pas, j'ai un problème de lumière ce soir. Tu mets le pouce devant la corde, sur la corde, et ton index derrière le pouce. Voilà. Et au moment où tu joues ta note, pile au moment où tu grattes la note avec l'index, tu enlèves ton pouce. Et donc, si tu choisis une note, après, il faut trouver le bon endroit sur la basse ici. Tu peux aussi éventuellement basculer ta balance micro vers ton micro aigu, ici. Et vous pouvez obtenir des effets rigolos. Mais voilà, généralement le pouce devant. Je mets le doigt devant. Et j'essaie de trouver l'endroit. C'est un geste à trouver, quoi, en fait. Hein. Mais voilà, c'est rigolo à faire. À utiliser avec parcimonie. Amine, salut Sam, Amine Alger. Ma question est des astuces pour apprendre toutes les gammes dans toutes les tonalités. Non. Non, Amine, il n'y a pas d'astuce. Il faut se les taper, il faut se les cogner. Il n'y a pas d'astuce, hein. Il n'y a pas de tuto, il n'y a que dalle là-dessus. Il faut prendre une gamme, il faut la bouffer dans tous les sens, quoi, sur tout le manche. C'est le côté frustrant de la musique, c'est le côté difficile, chiant, ennuyeux. Mais il y a un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire, il faut prendre cette gamme et la retourner dans tous les sens. Donc la petite astuce, hein, si t'as jamais vraiment fait ce truc-là, bon, éventuellement, comme astuce, tu peux te donner un challenge. Tu peux te dire, bon, il faut que je trouve 10 manières de jouer cette fucking gamme de Do, par exemple, quoi. Do majeur, 10 manières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je m'arrête là parce que j'ai plus de notes. Mais tu vois, d'essayer de trouver voilà, les 10 chemins différents cet été. À chaque fois, j'entends les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et cool, je nomme les notes en même temps. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et tu chiffres. Tonique, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, ou alors pour aller plus vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ça prend du temps, c'est chiant, mais ça finit par payer parce qu'on connaît le nom des notes, l'endroit des notes et leur place dans une gamme, si c'est la seconde, si c'est la tierce, la quarte, etc. Ouais, il faut le faire, hein, mais tu fais ça 5 minutes, 10 minutes, maxi. Tu passes pas une heure là-dessus, parce que tu y reviendras pas avant un mois. Donc tu passes 5 minutes dessus, mais à chaque fois que tu prends la basse.
et tu progresses. Sans déconner. Donc voilà, Amine. Je compte travailler du Méden et du Pasto cet été. Chris, tu es un fou, Chris. Surtout s'il y a du soleil. Ou alors, faut que tu trouves la formule, hein, basse plus soleil, quoi. Mais sinon, tu vas rester tout blanc comme un P cet été si tu t'attaques à Pastorius. Je te préviens. Pas de live cet été, me dit Walter. Non, pas de live cet été. On reprendra en septembre. Eh, ça y est, j'ai bousillé le fil. Tac, tac, tac. Jérémy, je suis nouveau, tu me recommandes quelle vidéo, tu veux dire? Sur Netflix, sur OCS, sur Amazon Prime? J'en ai plein. Sinon, si c'est sur ma chaîne, tape au hasard. Tape au hasard là-dedans, trouve un sujet qui t'intéresse. Tu peux te faire les replays des 60 lives qu'on a fait jusque-là. Et puis, essaie de cerner les sujets qui t'interpellent. Et comme ça, tu vas commencer à avoir une idée plus claire de ce qui se passe ici déjà et d'avoir de commencer à travailler, à construire un programme éventuellement avec les sujets que tu as envie de travailler, quoi. Mais voilà, je n'ai pas de vidéo en particulier à te conseiller. Regarde, explore la chaîne, quoi. Et puis voilà. Alors attends, les anciennes on peut car il y a les GP et PDF affichés, mais à partir du live 41 jusqu'au 59, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas télécharger, me dit Olivier. J'ai remanié un petit peu le site. Il faut que je vérifie ça. C'est possible qu'il y ait eu des bugs, effectivement. Je vais regarder hein, sur le Bassistic Live. Si vous ne pouvez pas tout récupérer, c'est problématique, effectivement. Mais je vais regarder ça. Je vous dirai ça. J'ai remanié un petit peu le design du site. J'ai peut-être fait des conneries par la même occasion. C'est possible, quoi. Peux-tu nous donner ton secret pour trouver les MP3 avec pistes séparées, STP, dit Laurent. Ouais, eh ben non. Allez, suivant. Si, c'est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce. Si vous voulez trouver des pistes séparées, des morceaux connus, ça s'appelle, ce sont des multitracks. Ok, donc voilà, des pistes séparées. Et ça, c'est tiré des jeux. Guitar Hero et un autre jeu, si vous pouvez m'aider dans le chat, il y a eu Guitar Hero sur une console de jeu et un autre jeu où on pouvait simuler le fait d'être un guitariste ou un bassiste ou quoi. Et les mecs là, pour faire ces jeux-là, ont récupéré les bandes originales de centaines de morceaux, les bandes studio originales, de centaines de morceaux de rock, de groupes de rock, etc., d'artistes, et puis évidemment ça a fini sur le web. Alors ce que vous pouvez faire, c'est essayer de taper multitracks sur Google, multitracks torrent, multitracks, voilà. Après, je peux pas aller plus loin que ça dans les indications, je peux pas vous filer le lien que j'utilise moi non plus, faut pas déconner. Mais ça sera une autre manière de me striker la vide. Mais voilà, essayez de taper ça, multitracks Guitar Hero par exemple. Et vous devriez tomber sur des liens qui vous proposent en méga upload de télécharger des fichiers, quoi. Ok. Sinon, une manière légale et cool aussi de le faire, c'est d'aller sur karaoke.fr et d'acheter pour 2,50€ le MP3 qui vous plaît. Vous faites votre propre mix sur karaoke.fr, vous enlevez la basse, vous enlevez le chant qui peut être casse-noisette. Et vous achetez le MP3 2,50€. Et il y a plein de trucs intéressants. Du Jamiroquai, par exemple, il y a plein de funk, des trucs cool, hein, qui groove et tout ça, sur karaoke.fr. Hein. C'est encore ce que je fais. C'est ce que j'ai fait pour. Je ne sais plus quel morceau, peut-être pas de Benatar, c'est ce que j'avais fait, ou un autre morceau. Zazie, je crois. Pour Zazie, le MP3 que vous pouvez récupérer, faut pas le dire, c'est un karaoke.fr. Donc voilà. Et je trouve ça plutôt bien fait. Les mutes main gauche et main droite, le secret de la propreté dans le son, me dit Didier. Mais oui, tout à fait, mon Didier, tout à fait. Didier, dans le chat, c'est le guitariste d'Astéroïd, notre groupe de cover. Est-ce que je descends un petit peu dans le chat? Oui. Tu conseilles quoi pour l'échauffement musculaire? Demande Wilfried. Moi, je ne suis pas trop bass fitness, hein.
Ce que je conseille, c'est des feuilles de technique que je donne dans mes cours. Et par exemple, de travailler un arpège majeur comme ça, là. Et de faire tourner ça quelques temps. Alors lentement, à divers tempi. Après, on prend un mineur et on change. Je parle de l'accord, hein. Majeur, mineur, et voilà. Et moi, je me fais mon échauffement comme ça depuis toujours, et ça se passe bien. Ouais, de travailler des arpèges en aller-retour, en fait, et c'est cool, quoi. Morceau payant, mais possibilité d'isoler tous les instruments. Ouais, j'ai vu passer ça quelque part, hein. Peut-être que vous parlez. Il y a Jamzone aussi, Dilemi, ok. J'ai jamais essayé Jamzone, mais il paraît que c'est pas mal, ça aussi, pour bosser. Apprendre basse et batterie en même temps, bonne ou mauvaise idée, basse et guitare. Bah, tu vois, j'ai une guitare là, derrière moi, j'ai deux guitares derrière, j'ai une batterie dans ma dépendance. Je vais me prendre un piano aussi pour bosser un peu. Voilà, plus on bosse d'autres instruments, mieux on comprend le nôtre. Mieux on comprend la basse, quoi. Donc, faut pas hésiter. Après, faut pas trop s'éparpiller. Faut trouver le temps de le faire et tout ça. Mais voilà, plus vous pratiquerez d'autres instruments, la batterie surtout, bah mieux vous comprendrez comment on se sert d'une basse, effectivement. Et mieux vous l'entendrez après dans des morceaux, quoi. Donc, ouais, je t'encourage à faire ça. Sans problème. Question matos. J'ai ressorti mon ampli Softec à lampe du début des années 90. Est-ce que c'est toujours au goût du jour aujourd'hui ? Moi, je suis pas trop dans les modes et les tendances, quoi, bassistiques et tout ça. Moi, je t'avouerai qu'au niveau matos, je m'en fous. Moi, j'aime bien tout ce qui est vintage, ça, c'est sûr. Derrière moi, cric, ici, hop, voilà, j'ai un SWR. Transistor avec une lampe. Pour une seule lampe pour le préamp, je crois, ou pour le compresse, non, pour le préamp. Et c'est du matos des années 90, et je trouve que ça sonne super bien par rapport à du Mark Bass, par exemple. Donc voilà, si ça sonne à ton oreille, fais-le, quoi. Il n'y a pas vraiment les tendances du jour, c'est plus du marketing qu'autre chose, hein. Donc fais vraiment ce qui te joue avec ce qui te plaît, quoi, vraiment. Est-ce que le slap sur une fatless, c'est mal? Bah, ça dépend de la qualité de ta touche, en fait, quoi. Ça peut éclater le bois. Si c'est une touche en carbone, bah vas-y, hein, fais péter. Mais non, c'est pas que c'est mal, c'est qu'il faut faire gaffe, quoi. Parce que quand tu fracasses du métal sur du bois, vu qu'il n'y a pas les frettes, directement sur du bois, au bout d'un moment, tu vois, ça peut être violent. Ça peut être violent, et ben le bois, il aime pas. Et tu peux avoir des marques et voir des éclats. À toi de voir, mec. Ou fille, d'ailleurs. Mais non, mais j'aime bien en plus un gars comme Pino Palladino l'a parfois fait. Et Michael Manring aussi. Des mecs comme ça. Et même Michael Manring, il joue sur Zone. Et Zone, je crois que le manche est en carbone. Hein, corrigez-moi si je me gourre, mais du coup, ça risque rien. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de T.M. Stevens ? Moi, je n'en ai pas. Pourquoi ? Il y a un problème avec T.M. Stevens ? Je ne suis pas au courant. Il a eu un problème de santé ? Il a eu un stand-by, pas de news ? Non, personne ne sait ça. Je ne peux pas vous aider. Oui, Rocksmith, dit Lemmy. Et pour le jeu, ouais, il y avait Guitar Hero et Rocksmith. Et en fait, c'est ces bandes donc, qu'on peut trouver en multitrack illégalement sur Internet. Quelle méthode pour bosser l'impro ou une routine peut-être ? La méthode, c'est vraiment la digestion, quoi, en fait. C'est vraiment d'avoir digéré un truc, du style une gamme pentamineur. Cette position-là, par exemple. De vraiment la connaître de long en large, c'est-à-dire de haut en bas, comme ça. Et après, de s'amuser à mélanger les notes. Et petit à petit, Thank you.
de vous amuser avec. Et en fait, dès que tu maîtrises une position, voilà, t'es à l'aise avec. Pour moi, le premier truc à faire, c'est de faire péter un rythme. Et tu reprends ta gamme pentin. Oui, je mets l'annulaire pour mieux montrer la gamme. Mais quand il faut groover, index petit doigt, et t'essaies de trouver un début de groove avec la tonique. Et tu essaies de remplir petit à petit la mesure. Et en fait, il faut s'attacher au fait que tout rentre dans la mesure à 4 temps. Alors moi, ce que je fais, pendant que je joue, je ne peux pas compter les temps à chaque fois. Ça me saoule, ça m'empêche d'être connecté à la musique. Mais par contre, comme disait Bootsy Collins sur une vieille vidéo sur YouTube, si quelqu'un retrouve le lien Bootsy Collins avec la technique de The One, vous pouvez la mettre en lien, je le modérerai hein, sur le chat. Il y a Bootsy Collins qui explique que quoi que l'on fasse, il faut qu'on soit conscient de la place du 1 dans la mesure. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Il y a 4 temps qui sont passés. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. Donc là, ce que vous pouvez faire, je vais jouer quelques mesures comme ça et essayer de voir si vous tombez avec moi sur le 1 ou si en écoutant la basse, vous êtes paumé dans le nombre de temps. Ok ? Sans forcément compter 1, 2, 3, 4 à chaque fois, mais d'essayer de ressentir les 4 temps qui passent. Poum, tac, poum, tac, poum, tac, poum. Et compte avec moi. 1. 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 Alors, you? 1. 1. 1. 1. 1. Ouais, ça serait le petit conseil comme ça, donc de repérer une gamme, de repérer le 1 et c'est parti, c'est de t'amuser avec, mais de jamais lâcher le 1 et de toujours faire tomber la tonique sur le 1. Si tu te retrouves à faire 1 avec la tierce 1, c'est que ta ligne de basse n'est pas suffisamment cadrée. Donc la tonique sur chaque 1 et t'essaies de t'éclater avec la gamme que tu maîtrises. Bon, c'est un vaste programme, je ne te cacherai pas. Hein. Ça s'apprend, faut prendre le temps aussi. Quoi. Et ben on avance un petit peu. Ouais, Didier Sterock Smith, hospitalisé pour démence et perte de mémoire, TM Steven, ça va, je ne savais pas. Ouais, c'est pas cool.
Ah, c'est pour ça que tu chantes si bien, dit Yadou. Oui, alors je dois être décalé, je me souviens plus du truc. Une application Android Backing Track Play. Les morceaux sont dispo sans basse et sans guitare. Super info, Claude, une application Android Backing Track Play. Pour ceux qui ont un téléphone Android, merci pour l'info. Cet été, Seb, vas-tu préparer ta Bible prévue pour nous tous, dit Olivier. Je suis censé le faire. Voilà. Et pas que. Voilà. Et ça sera une... pour ce bouquin-là, n'oubliez pas que ça sera un bouquin de théorie, ça ne sera pas un bouquin généraliste. Je vous ai présenté, par exemple, je crois que je vous ai parlé de la méthode de Jean-Luc Gascadello, Bass Control. Je vous ai parlé du grimoire de la basse de José Rico Bono. Ça, ce sont des méthodes généralistes qui abordent un petit peu tous les sujets qui peuvent intéresser le bassiste, quoi, de la théorie, la technique et du groove. Et moi, c'est ce que je fais aussi, théorie, technique et groove. Mais sauf que là, le bouquin que je veux sortir, ça sera un bouquin uniquement de théorie pratique et qui s'adressera surtout aux gens qui n'ont eu aucune formation musicale, qui connaissent rien à la musique, mais qui aiment ça, qui veulent en jouer et jouer de la basse. Et ça sera pour cela, ce bouquin-là. Pour des mecs comme moi, en fait, qui ont commencé voilà, en autodidacte, à la cambrousse, pas de prof, pas d'éducation musicale, pas de conservatoire, pas d'école municipale, pas de flûte à bec. Si, de la flûte à bec, mais qui n'a servi absolument à rien. Et qui un jour ont décidé de jouer de la musique et c'est comment qu'on fait, comment ça se passe au niveau de la théorie. Et ben voilà, ce bouquin ça sera dédié à tous ces gens-là et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là. Des nouvelles de Prince, mais merde, Loïc. Oh, que tu es sarcastique, j'aime ça. Est-ce que ton bouquin théorie pratique est sorti? Donc non, Frédéric, c'est ce qu'on disait. Je suis très lent. Pascal, j'ai un buzz sur mes basses quand les potards ne sont pas réglés parallèlement et j'ai lu que c'est normal sur des simples bobinages. Ouais, moi aussi je peux être embêté avec ça. Moi je m'embête pas, je m'embête plus, je demande à des copains luthiers de s'en occuper parce que j'en ai marre que ça buzz. Et effectivement ça peut arriver, mais normalement il y a des solutions pour pallier à ça et je vous renvoie vers des luthiers, hein, les gaziers. Hein. Il faut mettre un billet... Sur les luthiers, quoi, pour ça. Moi, je rentre pas dans le délire, hein, soudure et tout ça, j'y connais que dalle. J'ai essayé, j'ai arrêté. Donc, luthier dès que c'est possible. Perso, je galère avec le doigté main gauche, je sais jamais comment choisir, peux-tu m'expliquer? Tout dépend, Willy, de ce que tu as à jouer. Essaye de pareil cet été, essaye de te refaire quelques replays qui parlent de la main gauche et notamment de la pince. Les habitués ici maintenant connaissent le fait que pour la plupart des lignes de basse, là tout ce que je te fais là tout ce que je te fais là, c'est je l'ai joué avec l'index et le petit doigt. Voilà. Donc, ça s'appelle la pince. En tout cas, moi, j'appelle ça la pince. Et c'est ce que je pourrais donner comme premier conseil, de travailler, en fait, la pince. De jouer un maximum de choses avec ses deux doigts et de contrôler les résonances avec les doigts du milieu. Il y a un live qui traite de ça quelque part, qui traîne. N'hésite pas à faire un tour sur la chaîne et tu vas le trouver, quoi. En rock, c'est simple, il faut juste savoir compter jusqu'à 4, dit Chris. Et encore, jusqu'à 1, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Eh bien, ça fait déjà une heure, dis donc. Je peux t'envoyer mes fiches, ce sera plus rapide, dit Lémi pour le bouquin. Ouais, je sais. Ouais, parce que j'ai déjà... Voilà. Lémi, il a déjà écrit son livre avant moi, quoi. Donc, ben j'en parlerai si tu le sors, j'en parlerai en live. Gascadello, je viens d'attaquer Groove Construction, génial. Moi, j'utilise Groove Construction dans mes cours de Jean-Luc. Donc, je ne peux que plus soyer. Studio, bonsoir, merci beaucoup pour tes lives. Et ben, merci à toi d'être là, c'est bien sympa.
Incroyable, ton bouquin à venir semble écrit pour moi. Si jamais tu lances une pré-souscription, tiens-nous au courant. Ouais, on en avait parlé, hein, on avait fait un vote là-dessus. Faut-il faire une pré-souscription pour ce bouquin et tout? Je t'avouerai que je ne l'ai pas encore mis en place. Peut-être que ça se fera dans l'été, ou je ne sais pas, ou peut-être que c'est trop tard. Mais voilà, on va voir ça. Je t'avouerai que pour l'instant, je suis sur 1000 dossiers à la fois. Il faut que je me regroupe et ça fait partie des objectifs de la rentrée, de se regrouper un petit peu. On pourra avoir un bouquin dédicacé avec un dollar en plus, avec un peu plus de ronds. Non, Romain, ce ne sera pas possible. Ce sera 100 plus de ronds. Si tu veux une dédicace, je te la ferai sans problème, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, parce que ton commentaire était modéré, Willy, parce que tu as mis un gros mot dedans. Alors je te l'affiche quand même. Un petit conseil, j'avance pas à cause de ce fucking doigté que je ne comprends pas. Oui, c'est ça, on en a parlé, hein, Willy, c'est ouais, le coup de la pince, à mon avis, quoi. Hein. Index, petit doigt, le secret est là. Et tu vas voir que ça peut changer beaucoup de choses. Allongeons les talbins, les gaziers pour le motiver. Non, la thune n'est pas une motivation. Sinon, j'aurais lancé une pré-souscription depuis longtemps. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le temps. Donnez-moi du temps plutôt que de l'argent. Et voilà. Mais vous pouvez donner des sous en contribuant sur Bassistique, cours de basse, sur le Tipeee, évidemment. Mais non, c'est pas le souci. Le souci, c'est de trouver du temps. Mais je vais le trouver. Mon gros souci main gauche qui exaspère mon prof après 30 ans de guitare, je ne peux pas mettre ma main à plat et perpendiculaire. Une idée, dit Fugicator. À plat, d'accord, et perpendiculaire. Ouais, comme ça, quoi. Là, c'est perpendiculaire. Ok, maintenant, on joue. Ouais, alors moi, le seul petit conseil que je pourrais te donner, je sais pas si ton prof t'en a parlé, mais en fait, il y a un critère, moi, que je surveille pour parvenir à ce genre de position. Vérifiez que vos phalanges, ici, là, soient devant le manche et pas en retrait derrière. Si c'est un petit peu en retrait, bah, vous retrouvez avec les mains comme ça. Et c'est le bordel. Il faut que vos phalanges... Alors, ne pensez pas à votre bras, à votre poignet, à votre position, machin et tout ça. Ça va venir si vous vraiment prenez en compte le fait que, ici, vos phalanges doivent être devant. Dès qu'elles sont en retrait et dès que vous voyez le pouce comme ça, en tout cas pour une basse, hein, pour une guitare, c'est peut-être encore un autre délire. Mais sur une basse, avec la taille du manche, vous renversez le pouce derrière et vous vérifiez que vos phalanges sont soit devant le manche. Pas devant à 3 km, mais voilà, un petit peu devant comme ça. Et normalement, bah, la position, elle arrive, quoi. Ok ? Essaye ça, tu me diras. Hein. Salut Dom. Elle est mise. Mais mon maître, c'est juste pour t'aider. Merci, jeune Padawan. Je ferai appel à la force de la ch'tous, si j'ai besoin. Ouais, Didier, la pince des métalleux. Main droite pour Fugicator, d'accord, ok, merde, j'ai lu trop tard. Ton gros souci, donc, main droite qui exaspère mon prof, après 30 ans de guitare, je ne peux pas mettre ma main à plat et perpendiculaire. Pour ta main droite, à plat et perpendiculaire, what the fuck? À plat et perpendiculaire, tu vois, comme ça, là? Le jeu en buté, peut-être, alors. Ouais, le jeu en buté, ici. Ouais. Alors, le petit conseil, essaye de t'entraîner en mettant ton pouce derrière la corde de mi, là. Et tu grattes la corde suivante, la corde de là. Et là, tu commences à avoir ta position, la position que tu devrais avoir pour le jeu en buté, comme ça. Tu coinces ton pouce derrière et tu vois ce que ça donne et tu dois avoir le même résultat quand tu enlèves ton pouce. Mais pour ça, il faudrait que je te diagnostique en direct live pour mieux voir la chose, quoi. Là, c'est un peu compliqué à travers le chat.
Par contre, main gauche, mon souci, c'est le pouce. Mon prof veut qu'il soit derrière le manche et ça me fait un mal de chien. Après, il faut voir hein, vos positions et tout, mais c'est vrai que, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, quand il y a quelqu'un qui est en face de vous, comme votre prof, par exemple, votre prof, quand vous jouez, votre prof en face ne doit pas voir votre pouce dépasser du manche comme ça. Si le pouce dépasse, la position est mauvaise et vous voyez que les phalanges, elles sont derrière le manche. Si votre pouce dépasse, si vous descendez le pouce, hop, coucou, je vais me cacher. Hop, ça remonte. Du coup, ça oblige votre main à passer devant, comme ça. Et c'est parti. Par contre, si tu as mal, c'est peut-être parce que tu mets trop de pression dans ta pince. Peut-être que tu serres trop ton manche. Le pouce derrière, il est posé comme ça. Il n'est pas appuyé dans le manche et tiens, vas-y, je joue quoi. Et je suis complètement contracté comme ça. Il est posé quoi. Et il glisse comme ça. Et je pense que tous ceux qui ont des douleurs, main gauche, main droite et tout, et qui font des tendinites et tout quoi. Et il faut se détendre en fait. Et il faut penser survol quoi. C'est pique comme une abeille. Pique comme une abeille. Fly comme un papillon. Faut être hyper pensé, hyper léger et pas je rentre dans la basse, je suis comme ça quoi. Mais je suis hyper léger, j'effleure les cordes et avec mon pouce derrière, j'effleure le manche. J'ai une main hyper légère. C'est vraiment une question d'attitude quoi, hein, qui compte vraiment. Franchement, j'ai jamais eu de tendinite de ma vie et j'en aurais pas. Parce que j'essaie de penser à ça, légèreté, surtout au niveau de la main gauche quoi. Observez les guitaristes classiques par exemple. Observez leur main droite, leur main gauche, mais leur main droite aussi, leur façon d'attaquer avec les ongles et tout ça. Vous apercevez bien que les mecs, ils sont vraiment tout relâchés, quoi, tout en légèreté. Quoi. Alors même si on a un instrument plus gros avec des plus grosses cordes et tout, il faut penser pareil. On peut jouer des choses puissantes. Mais c'est pas pour ça que j'appuie comme un âne. Là, j'aurais une marque, mais au niveau de la pression dont je parlais tout à l'heure, essaye de faire cet exercice de pression dont je parlais au début du live, quoi. Et tu verras que ça se trouve, tu as besoin de beaucoup moins de force que tu ne le penses, quoi. Une astuce pour bien faire cuire les brochettes. Le Chris, il est fatigué aussi. Mais moi, je suis dans le même état. Non, mais moi, à ta place, j'aurais fait pareil. J'aurais dit les mêmes conneries. Et encore, je fais pire sur Facebook. J'ai démarré la basse en 92 et arrêt complet en 2003 pour reprendre cette année. Waouh ! À l'époque, on me faisait mettre le pouce sur le micro. Je vois que tu ne poses jamais ton pouce pour la main droite. Si, si. Il est sur le micro et sur les cordes. Micro, mi, corde mi, la, mi, micro, micro, mi, micro, corde mi, micro. Corde de la. Donc, ouais, pousse sur le micro, mais pas que. C'est bien d'essayer de maîtriser les résonances aussi avec le pouce main droite quoi. Alors il y a un live aussi qui parle de ça, n'hésitez pas à fouiller ces 60 lives là et attraper des infos là-dessus quoi. La position des mains dépend d'abord de ton anatomie, ce qui signifie qu'il n'y a pas de règle et juste être à l'aise effectivement, et c'est pour ça notamment que je ne donne des cours que en one-on-one, puisque chacun est différent et y compris au niveau de la morphologie. Donc, je te donne raison, Bassman, tout à fait. Bon, bah écoutez, encore quelques petites dernières questions. Je vois qu'il est 22h11. Mais c'est des droitiers ou des gauchers, demande Mich. Je te laisse libre de ce propos, parce que moi-même, je ne sais pas. Mais tu as raison de le préciser. C'est des droitiers ou des gauchers qui nous parlent. Didier, utilise tu ton pouce de la main gauche par-dessus le manche pour des accords de garçon coiffeur, par exemple. Non, moi, je le fais pas, mais je sais que Flea le fait. Mais ça rebondit sur ce que disait Bassman. Hein. Vous allez voir des bassistes avec des paluches grandes comme ça, qui vont faire des trucs.
des accords improbables. Et utiliser le pouce comme ça. Et voilà, Louis Johnson, par exemple, ce vieux bassiste-là qui fait ça, ou Flea dans les Red Hot, hein, il met son pouce par-dessus, tout ça, quoi. Mais parce que je pense qu'ils ont des plus grandes mains, et puis c'est des autodidactes, mais qui maîtrisent, qui ont tellement bossé que de toute façon, quelle que soit leur position de main, ils sont tellement relâchés et tellement véloces qu'ils s'en foutent au bout d'un moment. Donc il y a des techniques non conventionnelles comme ça qui existent, et beaucoup de, énormément de guitaristes qui se mettent à la basse, mettent le pouce par-dessus. C'est un délire, quoi. Mais on peut s'en passer. Mais quelquefois, ça marche. Mais pour être actif par rapport à Bassman, ouais, c'est une question de morphologie aussi, quoi. Et moi, j'ai des doigts de nain de jardin. Donc, du coup, je le fais pas. Parce que je peux pas. Tout simplement. Merci beaucoup pour tes conseils précieux. Oui, ça doit être ça. Je suis très contracté. Je mets plein de force dans le pouce pour mieux faire sonner mes cordes. Voilà, Fugicator, bordel, c'est ça. Donc du coup, fais ce petit exercice et fly like a bird, pick like a butterfly. C'était soit dans le cirque Pinder qu'on disait ça, ou c'était soit Mohamed Ali, je ne sais plus. Pouce flottant. Oui, comment choisir le bon doigté dans un morceau? Help me, Willy, là, c'est carrément, là, il faut prendre des cours, là. Ça, c'est une question trop générale, mec. Je peux pas te répondre comme ça. Ce n'est point possible, les doigtés dépendent de chaque, quasiment de chaque morceau, quoi. Pour la technique slap main droite, à quel endroit le pouce frappe la basse? Frédéric, la dernière frette de ton manche. La petite boule du pouce, ici. Et normalement, ça doit sonner. Et t'oublie pas que le pouce ne reste pas sur la corde, mais il rebondit. Donc voilà, dernière frette. Est-ce qu'on fait souvent des bends à la basse? Non. Non, ça peut arriver pour donner un petit effet. Mais c'est très rare. C'est possible, mais c'est assez rare. C'est juste un petit effet de jeu, quoi. Une colo masterclass cet été, me dit Romain. Non, pas de colonie de vacances masterclass. Ça viendra peut-être un jour, mais non. Puis en plus, il faut encore respecter les normes Covid. Ça me saoule, je t'avouerai. Donc encore moins cet été, tu vois. Du coup, ça me gave. Les masques et la distanciation, les machins. Si c'est encore d'actualité, au secours, quoi. Donc je préfère ne rien faire, tu vois, à part sur Skype et sur YouTube, hein. Peut-être l'année prochaine. Et la barbe aussi du nain de jardin. Ouais, est-ce que ça va tout le monde? Eh bien, écoutez, on va peut-être pouvoir se quitter là-dessus. Bah, c'était encore sympa ce petit questionnaire questions-réponses. Merci à vous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous en live, si tout va bien, en septembre. Alors, la rentrée pour mes cours, c'est censé être le 7 septembre. Mais j'ai pas encore confirmé ça. En tout cas, le prochain live, ça serait le dimanche 13 septembre. Peut-être qu'on repassera à l'horaire d'hiver. Peut-être qu'on reprendra à 19h, je sais pas. Je me pose encore la question. N'hésitez pas à m'en parler, hein, dans les commentaires et tout ça. En tout cas, voilà, septembre, on s'y remet. Ça sera le 61e live, nouvelle saison. De quoi va-t-on parler? Suspense. Quel bouquin sera sorti ou non? Suspense, etc. Que des trucs incroyables qui devraient arriver. Peut-être quelques petits packs également qui seront disponibles à travailler, qui seront disponibles dans la boutique bassistique.com qui devrait ouvrir elle aussi en septembre. Et voilà, plus de vidéos, on va essayer. Et diversifier un petit peu les lives, suivant vos suggestions, ça peut être cool. Donc,
Donc voilà, tout ça à discuter. Quelle est la meilleure position demain pour pousser la tondeuse à gazon? C'est comme ça, pour moi. Ne pas trop casser les poignets, sinon c'est là que la tendinite arrive, mais bien droit et limite même un peu comme ça. Voilà. Si elle n'est... Par contre, il ne faut pas qu'elle soit auto-tractée, parce que ça, c'est un truc de keuk. Il faut qu'elle soit rien, quoi. Manuel à fond, et là, tu pousses comme un fou, là, et tu fais tes push-up comme ça, en passant la tondeuse, là, comme ça, mais bien droit ici, et un léger taquet comme ça, surtout pas comme ça, sinon c'est mort pour jouer de la basse derrière. Merci pour ce dernier conseil technique à base de tondeuse. Il n'en fallait pas plus pour vous quitter. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en partant, allez faire un tour sur le Tipeee si ça vous branche de contribuer. Et je vous souhaite un super bon été. Je ne sais pas du tout ce qui va nous arriver. J'espère qu'on sera tranquille et qu'on pourra sortir, faire des concerts et tout ça. Et vous aussi, si vous jouez. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Peut-être quelques petites vidéos pendant l'été sur la chaîne. Abonnez-vous pour en être informé. Activez la petite cloche pour avoir toutes les notifs et tout ça. Et puis voilà. Donc, merci à vous tous. Bon été à vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.